Il y a toujours des gens qui sont un peu jaloux et qui croient pas en la personne. Ik ben enorm kieskeurig over de mensen die ik toelaat. Ce sont des moments qui sont pas toujours faciles à vivre quand on est sportif de haut niveau. Il y a des situations où, sur le moment, on peut se sentir trahi ou un peu délaissé dans une carrière de sportif. Je pense notamment, j'ai eu plusieurs entraîneurs dans ma vie et quand on met fin à une collaboration, c'est parfois difficile à passer outre. Je n'ai natuurlijk weinig tijd. Ik heb al weinig tijd voor mijn familie. Ik heb nog minder tijd voor mijn vrienden. En dat vind ik af en toe wel moeilijk, omdat ik wil hun ook gewoon laten merken dat ik hun apprecieer en ik wil tijd voor hun vrijmaken, maar ik heb enorm weinig tijd. Mais quand je suis allée à Gand, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que j'y arriverais pas et que c'était pas fait pour moi. Donc maintenant je pense que j'ai un peu prouvé le contraire et donc il y a toujours des gens qui sont un peu jaloux et qui croient pas en la personne, mais c'est un peu dommage que ça arrive. Donc mais bon, je suis contente d'avoir prouvé le contraire. Donc. Ik ben enorm kieskeurig over de mensen die ik toelaat in mijn leven. Omdat, zeker naarmate dat je bekender wordt, weet je ook niet zo heel goed in welke mate dat mensen met je willen omgaan om wie dat je bent en de persoon dat je bent. Après maintenant, avec le recul, je me rends compte aussi que ces entraîneurs, ils avaient une famille. Et, je veux dire, c'est tout à fait normal, leur choix était justifié. Mais c'est clair que quand on a 15-16 ans, on n'a pas toujours la maturité de prendre ça en considération. Et donc, ce sont des moments qui ne sont pas toujours faciles à vivre quand on est sportif de haut niveau. Van het moment dat Nina die successen gehaald heeft die ze nu heeft, dat er altijd mensen ofwel negatief zijn, ofwel jaloers zijn, ofwel een andere visie hebben op hetgeen wat ze doet. Maar ik denk dat raakt Nina ook bij momenten, daar ben ik zeker van. Maar ik denk dat Nina er ook heel, heel nuchter in is om dat heel snel naast zich neer te leggen. En om dan achteraf nog meer te bewijzen. Ik heb heel veel geluk dat ik altijd een familie heb gehad die mij enorm steunde in alles wat ik deed. Zowel de mama als de papa als de grootouders. Dus ik ben enorm blij dat ze dat hebben kunnen doen voor mij. Dat ze de financiële middelen hadden ook om dat te kunnen doen voor mij. Eigenlijk in eerste instantie moet ik een kinderarts danken daarvoor. Want op een gegeven moment, Nina was 2,5 jaar. En we dachten, oei, Nina is hyperkinetisch. We moeten naar een dokter gaan. En naar een dokter geweest. En Nina was niet hyperkinetisch, zei hij. Het is alleen een ruwe bolster. En je moet die een uitlaatklep zoeken. Maar zoek maar eens een uitlaatklep voor een kind van 2,5 jaar. En zo zijn we gaan zoeken. En op een gegeven moment zagen we, kleuterturnen. 3 jaar. Dat is misschien een leuk idee. Dat draagt ook bij tot het succes wat Nina nu haalt. Hè? Dus, maar zo kan ik nog een uur praten over mensen die een kleine bijdrage gedaan hebben tot hetgeen wat Nina nu is. Donc, c'est ma famille qui me soutient beaucoup et puis j'ai aussi les coachs qui m'entourent et puis tout le staff et puis aussi mes coéquipières qui me soutiennent aussi. J'ai eu la chance de naître dans une famille qui connaissait déjà un petit peu la gymnastique par mon frère et ma sœur qui en faisaient avant moi. Et puis j'ai aussi ma copine qui me soutient vraiment énormément. Avec elle, je me sens beaucoup plus apaisé à l'entraînement. Ça a vraiment un grand impact sur ma performance au quotidien. Dan natuurlijk mijn vriend die er denk ik op dit moment zeker het meeste voor mij is. We leven samen, we wonen samen, dus elke dag opnieuw heb ik een enorme houvast aan hem en daar ben ik hem enorm dankbaar voor. Et puis aussi, je peux pas oublier par exemple Jacqueline Herbrand qui est la présidente de mon club où j'ai commencé et c'est quelqu'un qui s'investit énormément pour la gymnastique et donc je pense que c'est important aussi de les citer de temps en temps.